Connaissons-nous réellement cette plante herbacée vivace qu'on a l'habitude de consommer? On ne réalise pas le bien que de nombreuses herbes font à notre santé, grâce à leurs niveaux élevés d'antioxydants comme les terpénoïdes et les flavonoïdes. Dans cette vidéo, je vais parler de la camomille, une plante aux multiples vertus. Elle est employée en usage culinaire, médical et cosmétique. Apaisante, calmante, anti-inflammatoire, les vertus de la camomille sont nombreuses, et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Soulage les troubles digestifs. Si vous souffrez d'une gastro-entérite ou que vous êtes régulièrement sujet à des ballonnements, des flatulences ou encore la diarrhée, vous pouvez utiliser la camomille comme remède naturel. Cela vous aidera à calmer vos troubles digestifs et à réguler votre flore intestinale et améliorer votre digestion. Très efficace aussi contre les colites, douleurs musculaires grâce à ses propriétés antispasmodiques, elle soulage également les crampes et aide à la décontraction musculaire. Apaise les douleurs menstruelles. Prenez une infusion de camomille après chaque repas pour les troubles digestifs. Et une infusion de camomille plusieurs fois par jour pour des règles douloureuses. Réduit le stress et l'anxiété. La camomille est une plante sédative qui agit de manière significative sur notre système nerveux, ainsi elle est très utile pour lutter contre le stress, l'anxiété ou encore le surmenage. Quelques gouttes de l'huile essentielle diluée dans un bain chaud aident à lutter contre le stress. Protège contre le cancer. La tisane de camomille aurait des propriétés anti-cancer, selon une étude américaine publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Cet effet est attribuable aux propriétés de la pygénine, de la famille des antioxydants flavones, une sous-classe des flavonoïdes, qui réduit la durée de vie des cellules cancéreuses, prévenant ainsi leur propagation et augmentant l'efficacité des traitements de chimiothérapie. Atténue les douleurs des articulations. Grâce à ses bienfaits anti-inflammatoires, la camomille diminue les douleurs articulaires grâce à ses bienfaits anti-inflammatoires et relâche les muscles grâce à ses bienfaits relaxants. En cas d'arthrose et de douleurs musculaires, on peut l'utiliser sous deux façons. Laisser infuser la camomille dans de l'eau chaude et l'ajouter à son bain. Ou comme huile de massage, en mélangeant des fleurs de camomille romaine à de l'huile d'olive et laisser tiédir au bain-marie avant utilisation. La camomille lutte contre les infections et les virus. Limite les risques de contracter diverses infections, efficace en prévention d'un rhume, de la grippe et de la migraine. Pour apaiser les voies respiratoires, inhaler 2 à 3 fois par jour une infusion de camomille. Lutte contre les troubles de sommeil. Grâce à ses propriétés apaisantes et sédatives, la camomille détend le corps et facilite l'endormissement, améliore aussi la qualité du sommeil. Et pour réduire le temps d'endormissement, appliquez quelques gouttes de l'huile essentielle sous la plante des pieds avant d'aller vous coucher ou prendre une tisane environ une demi-heure avant d'aller au lit. Apaise les irritations de la peau. Les propriétés cicatrisantes de la camomille apaisent les peaux tiraillées et réduisent leurs petits défauts. La camomille possède également des caractéristiques anti-inflammatoires, efficaces contre diverses agressions extérieures nocives pour votre peau. Elle soulage les petites brûlures, l'eczéma, les piqûres d'insectes et les légères irritations. Cette fleur miraculeuse a aussi des propriétés antalgiques qui vont permettre d'atténuer les douleurs et les démangeaisons. Pour calmer les inflammations cutanées, mélangez moitié d'huile essentielle de camomille et moitié l'huile végétale massée bien pour que les principes actifs accèdent aux couches les plus profondes de l'épiderme. Une alliée des peaux sensibles. La camomille permet de lutter contre les rougeurs et les imperfections, pour un teint unifié et éclatant. Un masque à la camomille fera que du bien à votre peau. Vous infusez 4 pincées de camomille, ou sachet, dans une tasse d'eau bouillante. Vous filtrez puis mélangez avec de l'argile blanche. Appliquez en couches épaisses, laissez poser 15 minutes, puis rincez à l'eau froide. Réduit la présence des boutons et d'acné. Grâce à ses propriétés antiseptiques, elle est donc parfaite pour lutter contre l'inflammation de la peau, éliminer le sébum et refermer les pores.
Connue pour ses propriétés antispasmodiques, la camomille purifie la peau de toutes les bactéries responsables des boutons. Trempez un sachet de camomille dans de l'eau bouillante, laissez infuser, puis appliquez ce mélange au coton-tige sur les boutons après l'avoir laissé refroidir. Soulage les yeux irrités. Calme les conjonctivites, elle soulage les démangeaisons et les sensations de brûlure causées par l'inflammation de la conjonctive. Laissez infuser une cuillère à café de camomille, ou de sachet, dans de l'eau bouillante pendant 15 minutes, laissez refroidir, imbibez les compresses du coton de l'infusion, posez sur l'œil affecté, 6 fois par jour. Pour décongestionner les yeux gonflés et les poches, on applique une compresse de coton trempée au préalable dans une infusion de camomille refroidie, on laisse poser 10 minutes. Éclaircit les cheveux. La camomille contient un pigment jaune appelé L-apigénine, qui éclaircit et rehausse la blondeur des cheveux clairs et apporte également des reflets dorés aux cheveux châtains. Elle prévient et élimine les pellicules, apaise le cuir chevelu, renforce et embellit les cheveux fins. Mettez quelques feuilles de camomille, ou de sachets de tisane à la camomille, dans de l'eau bouillante et laissez infuser 15 minutes. Utilisez l'infusion comme eau de rinçage après chaque shampoing. Soulage les maux dentaires. La camomille favorise l'hygiène bucco-dentaire, limite la prolifération bactérienne, raffermit les gencives et empêche les saignements, grâce à ses propriétés immunostimulantes, anti-inflammatoire et apaisante. La camomille est conseillée pour soulager les premières douleurs liées à la gingivite. Faites bouillir un demi-litre d'eau. Jetez 25 g de camomille séchée dans de l'eau bouillante hors feu et laissez infuser quelques minutes. Filtrez et ajoutez une cuillère à café de miel. Mélangez et laissez refroidir. Quand l'infusion est tiède, procédez à un gargarisme. Renouvelez avant le coucher. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à ma chaîne.